Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 26e, je crois, épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, on était dans ce vaisseau qui s'était crashé et qui avait failli tous nous mettre, nous envoyer nos casse-pipes, enfin toute mon unité, parce qu'elle m'avait fait bien galérer avec deux mectoïdes, insectoïdes alpha. Ouais, non, c'était bien la galère. Mais là, ça va mieux. Ça va clairement mieux. Je vais faire sprinter. Par contre, dans ce couloir, c'est très casse-pied. Voilà, on voit rien, on peut pas passer. Je vais faire sprinter là. Mon petit sapeur, tu vas soigner mon gros machin. Mon CEM. J'y vais tout de suite. Oh la vache, le deuxième mectoïde, il m'a fait flipper quand même. Un mectoïde, ça se gère facilement, mais le deuxième, quoi. Pff. Avec deux sectoïdes, je dis ouais, laisse tomber. Ouais, on sait, c'est de l'autre côté, mais il faut aller de l'autre côté quand même. Comment ça, sprint? J'y vais tout de suite. Hop. Ouais, il y aura quelque chose là-dedans. C'est à peu près sûr et certain. Où est mon sapeur? Je vais le rapprocher en fait pour lui. Pour le healer un coup. Tout de suite. Ouh, 10 PV. Ok, d'accord. Bon bah ça c'est des mini-kits de la mort qui tue. Nickel. Avec ça on sera bon, là les medikits à coup de 10 PV, on peut prendre des grosses tonches, c'est pas un problème. Maintenant il faut que j'équipe tout le monde d'armure titan. Ça coûte un peu plus cher. Un poil beaucoup plus cher d'ailleurs. Allez. Oui, on sait qu'il y a quelque chose. Affirmatif, commandant. Tu vois rien? Button. Affirmatif. C'est bizarre que tu vois rien. C'est sûr, il y a quelque chose. Des cellules d'énergie pour vaisseau. Toc. Alors. Ok, j'ai perdu la seconde mêlée, mais c'est pas grave. On va aller de l'autre côté du vaisseau, hein, parce que du coup c'est... Ah zut, elle fait un sprint évidemment. Ce que je voulais pas. Alors... On va avancer. Je pense que c'est de l'autre côté qu'il y a des bestioles. Faire sprinter. Je suis déjà. Toi aussi. Alors. Ouais, c'est ça. Chut. On avait rien entendu. Alors, toi, on va te prendre. On va t'amener. Je me remue. Là-bas. On y va. On y va à coup de sprint, c'est pas un problème. Y'a personne. Toc.
Et toi? Allez, quelqu'un m'ouvre la porte. J'en ai vu assez. Ok, d'accord. Plus de doute possible. Le but de leur recherche est une menace pour toute l'humanité. Où est mon gros Kubiak? Ils sont juste derrière, on est d'accord. Allez, boum. Alien à terre. Je suis en route. Ok, toi t'as survécu. Et avant que t'aies le temps de nous psioniser. Raté. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, 100%. 5. Allez, tu me le tues. C'est bon. Ennemi pacifié. Je vais vers la position. Allez, il reste plus grand chose. Parce qu'on a vu, il reste un sectoïde alpha. Ils veulent nous prendre de flanc. Ils essaient de me prendre un revers. Ok, là on se calme et on va aller défoncer le... Ok, on le voit plus évidemment. Dommage collatéraux. Ah non, mais ça va taper sur moi. Voilà, ça y est, normalement on doit pouvoir le voir un peu mieux. Ok, on va recommencer. Voilà. Et plus qu'un coup, n'importe qui. Voilà, toi. Excellent travail. Ça y est, on l'a eu. Ouais, non mais ça va. Tranquille. Colonel, ça y est, on a deux derniers colonels manquants de... Ah non. Ah si, c'est bon. Ah, mon sniper était pas colonel. Bah dis donc. Tu es une cible contournée ou à découvert avec le fusil de précision ne sera pas compté comme une action. Oh, c'est génial. Permet d'utiliser les deux actions pour les tirs standards dans la tête ou incapacitant si aucun déplacement n'a été fait. Recharge un tour. Mmh. Vu qu'il y a beaucoup de bestioles qui se mettent à découvert, ça me permettrait d'en faire deux d'un coup. On va prendre ça. Et toi, protège totalement des coups critiques ou dégâts critiques plus 50% jusqu'à la fin du tour quand une fusillade est activée. Ouais, maintenant qu'on a des grosses armures et des gros medikits, je pense qu'on peut se permettre d'augmenter l'armure, enfin l'attaque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs endommagés? Les cuves de stase, c'est bien les cuves de stase, ça se vend bien. C'est pas endommagé, mais au moins ça se vend bien. Quoi? Chef, les systèmes internes de tout le QG tombent en panne. Ici centrale, sécurité code rouge. Je répète, sécurité. Dis donc. Qu'y
qu'avez-vous fait? Répondez! Chef! Chef, il y a des signes de mouvement près du périmètre externe. Plusieurs capteurs sont activés. Il y a une faille! Eh ouais, c'est vrai, l'attaque de la base par Exalt. Défensez votre base par tous les moyens, si tous les soldats de la zone de combat sont tués, le QG d'XCOM sera détruit. Nous devons protéger la base à tout prix. Section Delta, au rapport. Section Delta, au rapport. Enfin, Section Delta, vos générateurs de secours devraient fonctionner à nouveau et... Oh, Delta, quelle que soit cette attaque, c'est vous qu'elle vise. Nous avons des alertes de périmètre de tous les côtés. Des ennemis volants traversent la caverne près du poste de garde arrière. Et tout un tas de signatures thermiques descendent par les aérations dans le plafond au-dessus de vous. En plus de franchir notre sécurité interne, ils ont verrouillé les portes pour vous séparer du reste de la base. Une fois qu'on les aura ouvertes, les renforts arriveront. Mais cela peut prendre du temps. Pour le moment, les signaux les plus proches de vous sont dans les aérations au-dessus de vos têtes. Guettez tout signe de mouvement. Section Delta, vous devez tenir votre position. L'avenir d'XCOM dépend de vous. Ok, donc j'ai qui? J'ai mon gros Kubiak. J'ai un commando. J'ai mon... machin, j'ai... Ok, d'accord, donc c'est tombé totalement aléatoirement. Évidemment, ce sont des persos qui sont pas équipés non plus. Bon, j'en ai deux gros qui sont bien équipés, mais deux petits qui sont mal équipés. Vraiment très mal équipés. On va rester en vigilance. Ils me font bien flipper, je sens qu'on va avoir des pertes, ça c'est à peu près sûr. Ok, d'accord. What the... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a vraiment énormément de monde. Même pas l'attaque par Exalt en fait. Vache, j'ai raté mon coup. De nouveaux renforts se tiennent prêts, commandant. Le problème, ah, quand même. L'ouverture des portes a vidé les alimentations auxiliaires. Il va falloir un certain temps pour rediriger le courant et refaire une tentative. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, il fallait que j'aille manger. Donc, alors, ouais, ouais, c'était la grosse galère. Il y avait plein de Kubiak un peu partout. C'est la galère totale. Donc on a un 69, un 59, un 84, on va prendre le 80, quoique non, on va regarder ce qu'on a d'abord. On va regarder ce qu'on a, donc on a un 100% à 83. Ah, le 100% c'est pas mal, parce que si je peux faire, dans les 7 points de dégâts au maximum, on a 10% de critique. Ouais, bah la gâchette rapide, forcément. Allez hop. Comme ça on est tranquille. Alors toi, tu vois un 55 et un 55. Maximum 4 points de dégâts, j'aurais dû m'en occuper un peu mieux. Je vais pas pouvoir gérer ça. Quoi, t'es sérieux là? Tu paniques pour ça? Ah mais c'est des soldats à la noix. Ah, c'est celui... Oh, c'est mon sniper qui est là. C'est mon sniper. Cible facile. Tout de suite. Yes. Alors là, je vous dis les gars, ça va chier du pâté. Je m'en suis occupé. Allez. Non, tu vas te mettre en vigilance. T'as pas encore trop besoin de recharger. Alors, on a des petits soldats à la noix. Je suis en route. Qui ont pas beaucoup de déplacement. Toi tu vas rester là, tu vas te mettre en attente. Toi tu vois quelque chose. Zut, j'aurais dû... Ouh, 5, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû utiliser un... On va recharger, c'est pas grave. Une roquette. Allez. 4, 4, allez.
Oui! Alors là, les mecs, vous allez nous faire un quarté quinté plus de la mort qui tue. Un super... Ah non! C'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Du coup, il va pouvoir attaquer une de mes unités, ce qui m'embête un peu. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il l'a one shot. Ah, il en restait une. Qui se barre. Il en restait deux. Ok, là on va rigoler. Ok, ça panique un peu partout, mais c'est pas trop grave. Déjà, tu m'élimines le mectoïde. Gentil. Sachant que tu peux retirer derrière. Évidemment, tu n'as pas assez de munitions. C'est pas grave. Où est mon sniper? Mon sniper, qu'est-ce que tu dis? 99%, même pas besoin de sniper, les mecs. Ah ouais, c'est vrai que tu peux plus tirer. Même pas grave. Le mec est là pour s'en occuper. Du coup, on peut même recharger. Ouais. On gère à mort. Ah, dommage. Dommage, dommage. C'est pas très grave. Voilà, avec toutes les bestioles qu'on a. Ah, et par contre, toi aussi, tu dois recharger alors que t'es au corps à corps. C'est un peu embêtant. Bon, deux, c'est pas énorme, mais au moins, ça permet... Ça va permettre à mon gros Koubiak de bien le défoncer. Même pas besoin. Allez, hop. Fusil de précision. Allez, rentre chez toi. Cible facile en plus. Donc du coup, j'ai une deuxième action. On va pouvoir mettre en vigilance tout le monde. Nous détectons des ennemis aériens. Ah ah, de nouveaux ennemis. Il n'est pas certain que les forces terrestres... D'accord. Il n'y aura peut-être que des unités volantes. Une deuxième... Non, non, mais faut pas abuser non plus quand même. Je veux dire, j'ai beau avoir des super unités. Bon, un drone, ça va. Mais deux soucoupes. Ouais, deux drones, ça va aussi. Trois soucoupes. À la vache. Quatre. Ils ont craqué. Mais ils ont totalement craqué. Comment on peut gérer quatre soucoupes? C'est juste pas possible. Ok, toi tu vas reculer. Toi tu vas te mettre ici. Oh merde. Oh mais merde. Quoique. Allez, par là, j'avais un truc. Ici, tu bouges pas. Tu vas me péter ces drones et en plus faire des dégâts au secours. Pas énorme, mais t'as fait des dégâts. Toi tu recharges. Toi tu vas te cacher parce que honnêtement, j'ai beau avoir confiance en tes super pouvoirs de sniper de la mort qui tue. Tu vas pas faire long feu face à une soucoupe. Mais elle sort d'où elle? Qu'est-ce qu'ils font quoi? Allez, tu me la tues. En tout cas, tu fais des gros dégâts. 7! Génial! Ouais, bon, là, ok. Adieu, mon petit soldat. Même pas? Ouais, bon, s'ils s'y mettent à plus... Raté. Attends, si tu survis à 4 soucoupes, je te jure, je t'engage. Il a survécu.
Oh mon dieu quoi. Oh la vache. On va faire encore un petit tour parce que je suis vraiment dedans. Est-ce qu'il peut descendre? Il peut descendre. Il pourrait même s'en sortir. Et la vache, il s'en est sorti vivant. J'aurais peut-être dû lancer plutôt une... Oh mais c'est magnifique les mecs. Et boum. Plus de soucoupe. Tu peux même recharger. Comme ça tout le monde peut rester en vigilance et attendre le reste des soucoupes. Allez, un dernier tour de combat et ensuite j'arrêterai. Parce que sinon ça va faire des épisodes un poil trop longs, même si je suis vraiment à fond dedans. Allez, hop, des petits tirs réflexes. Ouh, déjà plus qu'à la dernière barre. Et si elle s'approche encore un peu. Allez. Dommage. Yes. Non. Non, tu me la touches pas. 8, aïe. Heureusement qu'elle a l'armure titan et qu'elle a 25 PV parce que sinon... Wow, 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 t'attaques qui toi? Ouais bon. Il n'a pas survécu longtemps. Aïe. Capteur réactif, allez. Non, dommage. Non, par contre là ils sont pile poil mis pour un joli petit tir de roquette. En plus il y a du monde qui arrive. Yes. Yes, yes, yes. Donc on va commencer par toi et tes tirs de roquette de la mort qui tue. Yes, on peut choper tout le monde. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Waouh. Une mise au tapis express. Et je pourrais même essayer de les capturer. Quoique non, je suis un poil trop loin. Dommage. Est-ce qu'on peut pas faire une petite grenade? Ah, une petite grenade à 4 PV. Et là, je pourrais même faire... Ah, je suis un poil trop loin. Quoique, bah, il suffit de se déplacer, je suis bête. Allez, on va rigoler un peu. C'est lui qui va éliminer les deux soucoupes. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez. Bah tiens, j'ai dit qu'on l'arrêtait là. Et ben on va arrêter là. Suspense, suspense, est-ce que la mission est finie? Moi je pense pas, je pense qu'il reste encore 2-3 bestioles. En tout cas, c'est bien bien tendu. J'aime bien ce genre de mission, c'est cool. C'est pas trop difficile, mais en même temps c'est tendu. En tout cas, j'espère que vous, ça vous plaît. Moi ça m'éclate totalement. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Et on se retrouve dans 3 jours pour le prochain épisode. Allez, salut à tous !